décembre 2018 à l'ambassade de France à l'occasion du repas des retraités ici en Égypte. Vous allez écouter la chorale du lycée français du Caire dirigée par Madame Poiré. Un reportage de l'atelier audiovisuel fait de la part de Maggie, Moon et Thomas sous la direction de Madame Hautquet. Les élèves de l'atelier audiovisuel vont interviewer les gens et leur demander leurs meilleurs souvenirs de Noël. Je les remercie vivement d'avoir fait le trajet jusqu'ici. Et la parole est à vous. Merci beaucoup. Yeah.
Sur un bananier ou bien sur les...
avoir pu partager la chorale du lycée français dirigée par Sylvie, Madame Sylvie Coiffier, qui fait un travail d'excellente qualité. Merci beaucoup. Se repayer un sapin avec des mains. On était tous comme ça, on avait oublié pendant 4 ans. Voilà, c'est les histoires de Noël. C'est la guerre, c'est pas beau. Alors quand elle est finie, on est tellement content qu'on oublie tout. De classe. Bon, alors j'étais sous les tables. Tu sais, autrefois, moi, dans mon temps, on écrivait avec des plumes. Alors, bon, on avait une plume. Et puis, je passais sous les tables. Et je griffais comme ça, je vaccinais tous les enfants. Alors tout d'un coup, tout d'un coup, on voit ma tête émerger entre les tables. Alors la maîtresse me dit, mais qui es-tu toi? Alors moi je dis, moi, René Blandin, mais d'où tu sors? Qu'est-ce que tu fais? Moi j'étais en train de vacciner les copains pour qu'ils ne soient pas malades. Alors les copains, ils disaient, ah c'est toi qui faisais comme ça. Et la maîtresse, elle disait non, quoi? Mais non, ça griffait un peu. Alors ils étaient, ah c'était toi. Et voilà, voilà comment j'ai commencé ma vie à l'école. J'ai continué d'ailleurs, t'en fais pas. Je n'ai pas arrêté. Hein. Bon, et voilà. Et la maîtresse, elle... Bah, elle a ri. Ah, quand tu vois une imbécile qui sort, qui se dit, j'ai vacciné les copains pour qu'ils ne soient pas malades. Elle a ri, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'était le premier jour, elle n'allait pas me punir. On n'y est pas. Il n'y avait pas de continuation. Ça l'a fait rire. Et c'est... Alors, j'ai continué à faire le coup. J'étais de naissance. Je suis née avec une fée. Ça devait être la fée. Tu sais, la fée qui fait les tours comme ça. Elle dit, celle-là, elle m'appartient. Je ne l'ai pas quittée, elle ne m'a pas lâchée. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pour voir la liste des avocats francophones. Souvenir de Noël, de ma jeunesse, de mon enfance, ma petite enfance, de mon adolescence même, et de femmes mariées aussi. Voilà. Vous voulez pas en raconter un? Hein? Comment? Vous voulez pas en raconter un? Bon. À Noël à Port Saïd ou à Ismaïlia. Hein? À Noël à Port Saïd ou à Ismaïlia. Ben non, justement en Égypte, je fêtais pas Noël. Ah, d'accord. Non, non, je sortais avec mon mari déjeuner au restaurant, ouais. C'est tout, pour marquer le coup. Mais en général, je ne fêtais pas Noël ici en Égypte. D'accord. Bon. Et avec qu'en France. Et vous faisiez quoi en France ça. Alors Non, non, je ne me trouvais jamais en France à l'époque de Noël. Ah. Si, je me trouvais en France à l'époque de Noël, si, justement. Oui. C'est là que j'ai des souvenirs. Et donc, mais les années où je me trouvais en Égypte, je ne fêtais pas Noël. D'accord. Et quand vous êtes en France et que vous fêtez Noël, vous faites quoi? Je sais plus. On faisait déjà un bon repas. Ouais. On faisait un bon repas, et puis au moment du repas, on faisait la distribution des cadeaux. D'accord. Les cadeaux n'étaient pas au pied de l'arbre de Noël. D'accord. Les cadeaux étaient distribués à table, assiettes, et on ouvrait à la fin du repas, chacun ouvrait son cadeau. Et regardait, montrait aux autres convives ce qu'il avait eu. Et il y avait un neveu qui prenait des photos, enfin, de la chose. Et puis après, on discutait en famille, ou on dansait quelquefois. Quelquefois, on dansait. Et voilà. Un beau cadeau de Noël que vous avez eu, vous
souvenez d'un... Un beau cadeau de Noël, bah, j'ai une fois un beau sac à main. Ah oui. Un beau sac à main, voilà. En général, j'avais des cadeaux pas mal à l'époque de Noël. Mais en fait, c'était une fête, hein. Vraiment, vraiment une fête. Même la veille de Noël, même le réveillon. Le réveillon, on fêtait déjà au réveillon, plus le jour de Noël pour le repas principal. Oui. Et est-ce que quand j'étais en Provence, vous connaissez la Provence, hein? Alors on allait souvent à la messe de minuit. Alors là, il y avait la crèche qui était installée au pied de l'hôtel. Et les gens du village, les villageois, portaient les costumes de l'époque. Les costumes de l'époque de Jésus-Christ. Et ils recommençaient la scène pour aller jusqu'à la crèche, jusqu'à la naissance, jusqu'à l'heure de la naissance du Christ. Et après la messe de minuit, alors chacun rentrait chez soi pour manger. Il y avait un bon gueuleton en général, tout ça, puis on allait se coucher. Est-ce que vous avez fait partie une fois de cette scène ? Vous étiez avec les villageois en train de reproduire la scène ou vous avez jamais... Est-ce que vous, une fois, vous faisiez partie de cette scène ? Vous êtes allé... Non, je participais pas. Non ? Non, j'assistais qu'à la messe. D'accord. Oui, je participais pas à ce cortège. Vous n'aimez pas ? Non, c'était les gens du village. Nous, on était en vacances à l'époque, oui. On venait en vacances chez nos parents. Nos parents habitaient là, et voilà. Ça a été le seul réveillon, à proprement parler, auquel j'ai assisté. Ce réveillon à Pélissane, exactement. La ville s'appelait Pélissane. C'était à proximité d'Aix-en-Provence. Voilà. Merci. C'est tout. Et joyeux Noël. Et voyez toujours la vie du côté positif, c'est très important. Joyeux Noël!